Good morning, alle Yiden. L'étude sera aujourd'hui les Zchut, Chava, Muriel, Fleur, Bat, Jeanne, les Ivugagoun, Bekarov, Bezot Hashem. Nous étudions Baba Metzia, Perek, Bet, Mishnah, Vav. Ad Matai Chayav Lachriz, Ad Kedesh Yed'u Bo Shchenav. Divri Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Shalosh Regalim. Vachar Regal Acharon, Shiva Yamim. Kedesh Yelech Lebeto, Shlosha. On a fini jusque-là de définir quelles sont les metziyot, quelles sont les trouvailles que l'on peut s'approprier pour soi-même et quelles sont celles que l'on doit diffuser et publier. Notre Mishnah va à présent nous apprendre comment publier, comment on fait. C'est simple. Alors on fait dans les mots directement. Vadmatai chayav l'achriz. Jusque quand il doit publier? J'ai oublié de préciser. À chaque fois que j'ai parlé de publier, j'ai toujours évoqué le cas de mettre un petit papier. C'est vrai que tout le monde fait comme ça à notre époque, et c'est sûrement très correct. Mais en tout cas, initialement, dans la Gemara, comme dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les Poskim, on parle en général plutôt de publier, de faire savoir, de crier. La Gemara rapporte par exemple qu'à Jérusalem, il y avait une pierre qui s'appelle le Even Tohen, où les gens allaient, on savait très bien que trois fois par an, tous les juifs montaient à Jérusalem. Et il y avait là-bas un lieu où il y avait un rocher qui s'appelait le Even Tohen. Et ce, à tour de rôle, j'imagine, je ne sais pas tellement comment on se débrouille avec les millions de juifs qui montaient à l'époque. Mais en tout cas, ils montaient là-bas, ils se donnaient rendez-vous là-bas. Ceux qui avaient perdu des objets, ceux qui avaient trouvé des objets. Et alors, celui qui avait perdu montait sur la pierre, chacun à tour de rôle, et il disait « J'ai trouvé une chaussette !» J'ai trouvé une ceinture, j'ai trouvé un. Et après, il redescendait et les gens venaient lui dire: ah ouais, c'était à moi, c'était comme ça. Et là, il disait: il y avait tel signe distinctif, tel siman ou non. Enfin, ça, c'était à l'époque, c'est rapporté dans la Gemara à cet endroit-là, c'est dans son Baba Metzia Daf Rav Zayin, je pense. Donc la Mishnah nous enseigne maintenant: comment doit-il publier? Jusque quand? C'est-à-dire, si je trouve un objet il y a 17 ans, je dois continuer à publier constamment? Alors, la Mishnah nous dit Ad kede sheyed obo shchenav, divrei Rabbi Meir. Littéralement, ça se traduit jusqu'à ce que les voisins prennent connaissance. Les voisins de qui, de quoi? Alors, selon Rabbi Meir, on parle si j'ai trouvé dans un secteur, dans un quartier, j'ai trouvé là-bas une montre, alors je vais devoir publier suffisamment dans le quartier où j'ai trouvé la montre pour que tous les gens du quartier sachent que si toutefois quelqu'un a perdu une montre, qu'il vienne me voir. Donc tout le monde doit prendre connaissance que j'ai trouvé une montre et c'est dès que tout le monde sait dans le quartier, j'ai plus besoin maintenant de me soucier de partir le faire savoir dans d'autres quartiers par exemple. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Par contre Rabbi Yehuda Omer, Shalosh Regalim. Rabbi Yehuda nous dit que tu dois le faire aux trois fêtes. Ve'achar ha'regel ha'acharon shiva yamim. Et après la troisième fête, donc les trois fêtes, après on va plus s'expliquer, d'accord, mais en tout cas les trois fêtes, donc c'est Sukkot, Pessah et Shavuot, et après la troisième fête, tu continues encore pendant 7 jours. Kedei she'elef lebeto shlosha. Pourquoi il faut rajouter ces 7 jours? Pour que la personne rentre chez elle pendant 3 jours, ve'yarzor shlosha, ve'achriz yom echad. Qu'il rentre chez lui pendant 3 jours, qu'il revienne ensuite pendant 3 jours, et qu'il recommence de nouveau à publier pendant 1 jour. On s'explique. Selon Rabbi Yehuda, il fallait faire, diffuser, publier le fait qu'on a trouvé un objet, il fallait le faire au Beth Amikdash, à Jérusalem. Pas au Beth Amikdash, mais pendant que tout Israël montait, d'accord, se réunissait à Jérusalem. Alors là-bas, il fallait publier, faire savoir qu'on a trouvé une trouvaille. Et il fallait faire ça à 3 reprises pendant l'année. Certes qu'on n'est pas venu le réclamer. Première fête, il diffuse et il dit « J'ai trouvé une montre !» Et c'est la première fois que je diffuse. Et la deuxième fois, il refait « J'ai trouvé une montre !» Et c'est déjà la deuxième fête que je diffuse. Et la troisième fois, il diffuse et il dit « Attention, c'est la troisième, attention !» J'ai trouvé une montre. Et il dit plus rien d'autre. Comme ça, les gens comprennent que c'est la troisième fois. Et une fois qu'il a diffusé, qu'il a publié le fait qu'il a trouvé
la montre. Il devra rester à Jérusalem pendant 7 jours pour laisser le temps, laisser 3 jours devant lui pour que les gens puissent rentrer chez eux et vérifier qu'ils ont perdu éventuellement une montre. Et revenir ensuite pendant 3 jours. Et un jour, c'est un petit jour de zone tampon où finalement, le temps de recommencer, de dire « Ah oui, de retrouver la personne qui a perdu l'objet. » Ça, c'était la vie de Rabbi Yehuda. La halakha, bien sûr, ne peut pas être fixée comme ça, puisque de notre époque, ça a changé. Mais ça a doublement changé. Premièrement, au début, quand le Beth Amikdash a été détruit, alors, Chachamim, on fait maintenant la takana selon d'après Yehuda de diffuser à la synagogue, à la synagogue, donc. Et ce qui s'est passé, c'est que sous l'Empire perse, il y a eu un décret original, c'est que le royaume de Perse a imposé que tout ce qu'on trouve, on devra le donner au roi. De ce fait, les Juifs étaient embarrassés, ils ne pouvaient plus faire la mitzvah de la Shabbat Aveda. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, Rabbim, ils ont dit, ben, vous savez quoi, faites savoir à votre entourage, aux gens de confiance, et ça suffit, et puis c'est tout, on se contentera de ça. Voilà pour la Mishnah. On va tout faire, et comme ça, la halakha est fixée, d'accord? On devra donc se rapporter ici dans le Tiferet Israël. Ou bizonazem achrizin bebatek nesiot achar tfila. À notre époque, on diffuse, on fait savoir dans les batek nesiot, c'est normal, on n'est plus sur l'Empire perse. Et on va après, donc à la batek neset, à la synagogue, le matin après la tfila, on met un beau coup sur la bima et on dit « J'ai trouvé une montre, si quelqu'un a perdu, qui vient de donner des simanim. » Et c'est tout, c'est la manière de diffuser. Concrètement, à notre époque, on a une solution simple. Je ne sais pas d'où ça a été instauré. Est-ce que c'est les poskim, est-ce que c'est les décisionnaires qui ont apporté cette idée ou pas? On met des affiches. D'accord. Et donc, on pourra mettre les affiches à la synagogue, dans un quartier juif, on met des affiches dans la rue, sur les poteaux, et particulièrement. D'accord. Je pense que les gens en font un peu plus que ce que la Torah, que ce que la loi stricte en réclamer, mais tant qu'à faire, si le but c'est de retrouver la personne qui a perdu, alors plus on mettra des affiches, plus on aura des chances de le retrouver, Bezrat Hashem. Voilà pour la Mishnah. On fait maintenant le Bartenora. Shrenav, Shrene Makom, donc quand on a dit qu'il fallait faire savoir jusqu'à publier jusqu'à ce que les voisins le sachent. Les voisins de qui? Le Bartenora nous dit Shrene Makom, Shenim Tzedbo Aaveda. Les voisins d'Ainu, c'est-à-dire l'entourage du lieu où la trouvaille a été trouvée, donc perdue, chez Shema, chez l'ANI, car il est possible que ça leur appartienne à eux. C'est-à-dire, on cherche à publier chez les gens potentiels à qui ça pourrait appartenir. Kedé chez Yeler, Kol, Echad. Ensuite, c'était l'avis de Rabbi Yehuda, qu'il fallait que chacun, il nous avait dit, ouais, on se rapporte sur la fin des paroles de Rabbi Yehuda. Il nous a dit, tu diffuses pendant 3 régalim, mais attention, le dernier régalim, la dernière fête, tu restes à Jérusalem pendant 7 jours. Pourquoi? Pour qu'ils partent pendant 3 jours et qu'ils reviennent pendant 3 jours. De qui on parle? Alors, qu'est-ce que c'est Yeler Kol Echad? Pour que chaque juif qui était monté à Jérusalem ait le temps de rentrer chez lui en 3 jours, d'accord? Même s'il fallait parfois plus pour rentrer à Jérusalem, des fois, ça pouvait prendre jusqu'à 7 jours, jusqu'à même 15 jours, la Gemara évoque le cas. Mais concrètement, on ne pouvait pas demander à la personne qui a trouvé l'objet de rester bloqué à Jérusalem pendant 30 jours pour rendre éventuellement une montre, c'est une folie. Donc en fait, travailler dans 7 jours, c'est quand même possible, fais-le. Donc, pour que chacun rentre chez soi pendant 3 jours pour repartir, Miché Ishma Achraza, depuis le moment où il va entendre qu'on publie le fait qu'on a perdu tel objet, il va se dire tiens, Veyeda Imavad Loklum, donc il va devoir rentrer chez lui pour vérifier, peut-être que la montre elle est restée en fait sur son chevet, ou peut-être, et donc il n'est pas sûr que c'est lui qui l'a perdu. Et ensuite, Vevi Miresh Avad, et s'il va voir qu'il ne le retrouve plus, alors, Yachzor Shlosha, il va prendre maintenant 3 jours de retour pour revenir à Jérusalem. Veyachriz Yom Echad, Ani Avadati Ve'elu Simanea. Jusqu'à que lui, à son tour, maintenant, il va dire oui, c'est moi qui ai perdu la montre, où est la personne qui veut trouver la fameuse montre que je lui propose, les Simanim. Ve'alacha Rabbi Yehuda, et l'alacha est fixée comme Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Meir. Et le Bartenora nous rapporte, attention, Umishicharav Bet Amigdash, depuis que le Beth Amigdash a été détruit, Itkinu Sheyu Machrizin Bebate Knesset ou Bebate Midrashot. Chamim ont décrété de publier dans les Beth Knesset et dans les Beth Midrash.
ou Mishirabu ha'anasim, et depuis que les anasim, c'est un mot général pour dire les gens qui volent, en réalité là, le chasse a eu beaucoup de censure au fil du temps, mais concrètement, dans la Gemara, sa portée, c'est l'Empire perse, ou peut-être qu'en réalité c'était quelqu'un d'autre que les Perses, mais que Rome ont imposé de changer les mots. C'est très fréquent dans le chasse, quand on étudie le chasse, les censures, il y en a beaucoup. Donc, ou Mishirabu ha'anasim, depuis l'époque où les anasim, donc les gros bras, des Amré avaient d'état les Malka, et qui disaient toujours non, rendez les trouvailles au royaume, au gouvernement. Itkinu sheyemodi alishchenav velimiyudaav vedayo, Chachamim ont décrété de faire savoir uniquement à ses voisins, cette fois-ci plus aux voisins de la perte, mais à ses propres voisins, à ses proches, il parle à ses confidents, fait savoir, dites autour de vous, si quelqu'un l'a perdu, qu'il vienne me voir, vedayo, et on se contente de ça, et nous aussi on se contente de ça pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, rendez-vous demain, kol tuv sera.